Togo Info, le Togo à votre portée. Et quand on veut parler de Covid-19, je dis sincèrement que la maladie existe. Je prends la conscience de cause, la maladie existe bel et bien. Nous avons eu des grands artistes qui ont tombé, Manon Dibango, le Congolais Don Junior, Orisman Bélé, tous ces gens sont tombés. Il faut dire que ça existe. Même au Togo ici, il y a un grand artiste qui a été contaminé par le coronavirus et on l'a gardé en quarantaine. Et aujourd'hui, on remercie Dieu qu'il a été libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. La maladie existe, il faut prendre des mesures. Mais commander des vaccins, ils ont commandé des vaccins chez qui et à quel prix? Le ministre avait fait sortir des communiqués, ou bien il a dit même à la radio, à la télé, il a donné même des délais où le vaccin va arriver. Et la date est passée, on n'a pas vu le vaccin. C'est toujours pareil. Peut-être que le bateau est coulé en mer, on ne sait jamais, parce qu'avec ce régime, tout est possible. Mais commander le vaccin, sur quel budget? On ne sait pas. On ne veut rien dire parce que nous sommes chez eux. Donc ils font ce qu'ils veulent avec l'argent, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Mais la santé d'une population est primordiale. Est primordiale. Nous nous rappelons très bien, au début de cette affaire de coronavirus, des médecins cubains, on les a affrontés des avions qui sont venus, soi-disant porter des mains fortes à nos médecins ici. Ils ont passé des jours à soigner eux-mêmes. Ils sont repartis. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pense au peuple. Et si le vaccin arrive, vraiment, il faut vacciner des gens qui en ont besoin. C'est vraiment important et capital, la santé avant tout.